Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Jujulo39. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour un 58e épisode de Zelda Breath of the Wild. Et dans l'épisode précédent, eh ben on avait apaisé la créature divine, Vanaboris. On ne fera pas le donjon aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé. On le fera peut-être prochainement, tout dépend de comment on avance aujourd'hui. J'ai noté quelques sanctuaires, d'accord? Donc, on va pas perdre trop de temps, on va déjà dans un premier temps, commencer par aller vers le point rouge. Vers le point rouge, c'est ça. Pour commencer cette petite série de sanctuaires. Alors normalement, c'est dans le trou là. Normalement. Ouais, il est là-dessous. Donc c'était vers le chemin, je l'ai raté. Au canyon là. Je l'avais raté. Sanctuaire de Jinuyo. On va voir ça. Alors, entre calme et chaos. Ah oui. Alors, ce qu'il faut faire. Là, les amis, c'est un peu chaud, évidemment. Ça se fait déjà dans un premier temps. Voilà. Non, c'est trop fort. Je vais pas prendre mes flèches explosives, je vais prendre des flèches normales. Ah non. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Non, c'était pas assez. On va le mettre plus par ici. Ah merde, je l'ai raté. Je l'ai raté, je l'ai raté. Encore raté. C'est pas évident. Au secours. On va le tirer une fois. Voilà. Et on va continuer, voir ce qu'il y a par là-bas. Évidemment, il y a un gardien. Alors attends, est-ce que je peux la pousser? Ah bah voilà, nickel. Eh ouais, tout simplement. Alors ouais, ici en fait, faut emmener la bouboule. Hop, merde. Merde, le coffre! Mmh.
Opale Brut. Bien. Et ben voilà, on a les coffres. Ouais, on a les coffres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre la bouboule. Et puis l'emmener. Alors, c'est pas évident. Donc là, ça serait de se coller derrière, voilà, derrière un bloc. Toi, est-ce que tu peux te pousser? Non, tu peux pas te pousser. Alors, du coup, je vais te figer. Je vais juste attendre qu'il y ait une caisse qui débarque. Il y a une caisse qui débarque. Hop, on te fige. Je récupère ça. Je me barre. Et voilà, la caisse me permet de passer. Impeccable. Nickel. On va vérifier un petit coup. Ouais, c'est bon. Nickel, impec. Impeccable. J'ai bien aimé aussi cette épreuve. Je l'ai bien aimé. Elle était pas mal. Voilà. Alors maintenant, on va aller au point bleu là. Allô, point bleu. J'ai combien d'ambre ambre brute alors ambre brute. J'en ai 6, il m'en faudrait 10. Donc j'avais dit au point bleu, alors on va aller au point bleu. Donc le point bleu, il se situe là-bas là. Où il y a les statues. Voilà, donc déjà ça. Vous y jetez en bas. Impeccable. Là, il a l'air de faire un peu chaud. Alors, du coup, vu qu'il fait chaud. Voilà. Alors, là, normalement, que je dise pas de conneries, il n'y a rien qui m'indique.
Vous voyez, il y a un symbole là. Donc il faut bien repérer. Donc là, c'est une flèche vers le haut. Et là, j'ai pas vu de symbole. Ici, c'est deux points. Alors, flèche vers le haut. Deux points. Là-bas. Je ne sais pas non plus. Donc ça c'est du... Voilà, donc là on le voit, là c'est les deux espèces de traits verticales. Là c'est une espèce de flamme. Et là on n'y est pas non plus. Alors, du coup, ce qu'il faut faire, c'est que là, moi, j'étais Herbevolt. Ah, j'aurais peut-être dû prendre en photo. Du coup, moi, j'étais sur laquelle, merde, je me rappelle plus déjà. Mais dis donc. Alors ça, il n'y avait rien. Ah, zut. J'ai un trou de mémoire. Alors, attendez. Ah non, là, c'était la flèche du haut. Si, c'est bon, ça me revient. C'était la flèche du haut. Alors, il faut trouver une boule qui a une flèche vers le haut. Alors, ça, c'est les traits. Essayez de trouver une boule qui a les flèches vers le haut. Ça, c'est les deux points. Alors, les deux points, c'était... Donc là, il y a le trait. C'était ici, alors. Les deux points, c'était ici. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, il faut emmener... cette orbe là-dedans. Voilà, ça c'était quoi? Ça c'est... ça c'est une... de l'eau ou symbole de la forêt, je sais plus. Qu'il y a des trucs à prendre. J'ai vu, alors là il y avait une orbe qui était par là. Ça c'est laquelle? Donc, ça c'est la fameuse goutte. Alors là, ça c'était quoi déjà? Ah oui, ça c'était donc les deux points.
Donc les deux. Non, le trait vertical, il était où? Je l'ai vu tout à l'heure. Il me faudrait le trait vertical, ça doit être celui-là. Sûrement. Non, ça c'est un point. Alors attends, déjà toi. Il va venir par ici, je pense. Voilà. Là, il y a quoi? Ah! Voilà, la flèche. Donc, la flèche, c'était le deuxième. Ouais. C'est ça, il me semble. Je dis pas de conneries. Ça, c'est les deux traits. On voit le symbole. Là. Donc là, c'est les deux traits. Oh putain, j'y vois que dalle. Donc les deux traits. Il y a deux traits et il y a un trait. Fais attention à ça. Donc là, il y a une orbe qui est effectivement là-bas. Ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est une flèche aussi. Alors, est-ce que ça se trouve, c'était celle-là de flèche? Plus. Ah non, alors ok. La flèche va là. Ça, c'est un trait. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est la... Ok, donc alors ça c'est la flamme. Elle est où la flamme? Putain, c'est chiant. C'est chiant. La flamme, la flamme, la flamme. Elle est là-bas. Elle va là. Voilà. Et du piment. Bon. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et... ça, je ne sais plus. Alors, là, oui, c'était les fameux... donc là, c'était le... c'était je sais pas quoi en fait. Et ça c'était donc les deux points. Ah là il y a un trait. Alors le trait tout seul. Il va où? Il va là. Ouais. Alors les deux points, ça devait être ça. Je ne sais plus. Et là, il y a deux traits. Ah non, alors... c'est où que j'en ai pas mis?
Il y a ici. Alors, du coup, peut-être que la goutte, il me semble qu'elle allait entre les deux. Je ne sais plus. Une supposition. Les deux points. Alors ça, voilà. Ça, c'est celle-là. C'est celle que, évidemment. C'est celle qui est là. Qui va là. Ouais, forcément. Ensuite, les deux points. Alors, est-ce que les deux points, par hasard, ça allait pas ici? Et toi, du coup, celle qui reste. Ah, voilà! Parce qu'il y en avait une, voilà, celle qui reste, on n'avait pas le symbole. Sanctuaire de Kiyoshio. Eh bien. Donc là, c'est juste sur la bénédiction de Kiyoshio. Dans des flammes. Trident des flammes, il a été photographié. Merde. Ouais. Ben voilà. Quatre emblèmes du triomphe pour reprendre un cœur. Et avoir donc notre 21e réceptacle. Bon, on a fait sanctuaire, 100 sanctuaires, plus que 20 à faire. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais aller. Donc, on va aller par ici. Je vais me téléporter là. Et je vais aller au point vert. Donc pour aller au point vert, il faut que je grimpe. Saloperie.
Putain, mais fous-moi la paix, saloperie. Putain, mais j'y crois pas, mais quel con là. Salope, pardon, c'est moi. Ah bah non, la tour elle est juste là. Bon, on va aller voir la tour. Par contre, ouais. Putain. Oh, la hauteur impressionnante de cette tour. Oh, il est noir. Non, bleu. Ah, mais j'ai. Bon. Alors, effectivement, la hauteur de cette tour est impressionnante. Oh là là, le carnage. Alors, pour pas me rater, je vais aller en hauteur. Alors, ce qu'on va faire. Ce sera plus simple. Hein. Tour Gerudo. Déjà, on va activer ça. Comme ça, on aura ben, évidemment une nouvelle zone. L'avant-dernière, d'ailleurs. Il me semble. Donc voilà, il nous manque plus que cette partie là. Et puis, bah ici, on va aller voir, là il y a un sanctuaire à faire ici. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire lui? Oh. Pardonne-moi l'ami de t'avoir ignoré, j'étais dans ma chanson totalement absorbé. C'est mon regretté maître, puisse son âme être en paix. Qui, de sa... L'est plume, la naguère composée. Elle doit être transmise au héros qui pourra calmer le grand fléau de jadis. Nous frappe pas. Cent années ont passé sans qu'un héros ne vienne. Mais mon maître croyait à sa venue prochaine. C'est pour que ce héros entende ce refrain qu'ainsi, jour après jour, je le chante sans fin. Oh, excuse-moi. Je jacasse. Là où nous sommes en ce moment perdus, un de ces anciens chants, il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Vas-y. Je te remercie. Lorsqu'un astre céleste au nord-ouest resplendit, suit l'ombre de la tour, puis décoche vers lui. L'épreuve du héros jusqu'alors endormi, des entrailles de la terre devant toi rejaillit. En ces vers, il me semble, est caché un secret que mon esprit, hélas, seul ne pourra percer. En attendant que soit résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. Bon. Alors voilà, donc en fait, il faut...
Bah, il me semble qu'il faut. Bon, alors, il parlait de décocher une flèche, évidemment. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit feu de camp. Alors, attendez. Par contre, je sais pas, non, je ne sais pas si c'est de journée. Alors, lorsque l'astre céleste au nord-ouest. Suit l'ombre de la tour, puis décoche vers lui l'épreuve du héros. Jusqu'alors endormi, des entrailles de la terre devant toi rejaillit. Alors attendez. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit fagot de bois. Non, non, mais attends. Que je fasse pas de conneries. Que je ne fasse pas de conneries. Attends. Suis l'ombre de la tour, puis décoche vers lui. Alors, non, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille là-bas. Enfin, moi, je comprends ça, comment elle est formulée. C'est pas décocher vers le socle. C'est depuis le socle décoché vers la tour. Alors, pour cela, il me faut un fagot de bois. Un petit fagot de bois. Prendre. Voilà. Attendre jusqu'à midi. Alors, est-ce que... tour. Elle est en bas, non? Non, je sais pas. Ah non, le soleil arrive de là. Comme ça. Donc, normalement, l'ombre devrait être par là. Ah oui, elle est là. Eh bon, on va attendre sagement qu'elle arrive. Et au moment où l'ombre va passer par là-dessus, ce qui va se passer, c'est que le socle va s'allumer. Et à ce moment-là, depuis le socle, je décoche une flèche vers la tour. Alors, je sais pas si c'est sur le soleil ou sur la tour. Je sais pas, c'est vers quelle heure exactement. Que j'ai bien ce qu'il me faut en arc et flèche. Ouais. Elle devrait plus trop tarder. Elle devrait plus trop tarder. Long à venir quand même ce soleil. Elle est passée où l'ombre de... Ah elle est là. J'allais dire l'ombre de la tour, elle est passée où? Et après, ben, on ira, il y aura un autre sanctuaire, donc au point jaune. On ira voir ça. Alors déjà le point vert là, je peux... Je le décocherai après. Je l'enlèverai après parce que si jamais c'est pas ça, de toute façon, on verra bien. Je vais pas l'enlever tout de suite, comme ça si jamais, bah, j'aurai pas besoin, il sera déjà mis. J'aurai pas besoin de le remettre.
Il est long, hein. Un peu quand même. Il est un peu long. Donc là, ça passe. Normalement, ça devrait pas tarder à venir sur le crochet, là. Sur le rocher. Pourtant, il est en face, là, le soleil. Allez! Ah, voilà. Donc là, il s'est illuminé. Faut que j'envoie où? Ah bah non, tout simplement au-dessus de la tour. Ouais. Bon bah voilà. Nickel. Câble. Le signe de l'ombre. Précieux réceptacle. On dit qu'il existe un truc caché dans un recoin. Putain, j'ai pas le temps. Épreuve moyenne de force. Ben voyons, tiens. Alors ça... Jeter. Épreuve moyenne de force. Donc je vais pouvoir prendre mon épée de légende. Non. Je vais pas prendre mon épée de légende. Je vais prendre cette merde. Non mais en fait il est quand même coriace hein, cet enculé là. Attends. Hop là. Par là, je t'allume. Paf. Alors là, voilà, il va se mettre en mode. Je vais tirer un gros laser dessus. Chercher le coffre parce qu'il se cache là-bas dedans. Longue épée des glaces. Nickel. Bon voilà,
Alors, balise, effacer balise. Il y en a un qui est juste là en dessous, le jaune. On va aller voir ça tout de suite, vite fait. C'est quoi ce délire? Il y a de la... Il y a une tempête de sable, j'y vois que dalle. Il y a un morse de sable. Normalement, si j'ai bien compris, il devrait être par là le truc. Ambre brute. Oh, ambre brute, saphir brute. Encore deux ambres brutes. Celle de sel. J'ai combien d'ambre brute? Attendez. 10. Eh ben, impeccable. Alors, attends. Il n'y a pas d'où sanctuaire, là? Non? Bon, bah, a priori, il n'y a pas le sanctuaire, ou alors je sais pas où il est. Mais là, il faudra que j'y revienne. Je vais pas perdre de temps ici. Si je le vois pas, je le vois pas. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Ces tempêtes de sable, comment c'est chiant. Comment que c'est chiant. Bonjour. C'est de la paix, hein. Attends, il y a quelque chose là-haut. Il y a quelque chose là-haut. C'est Korugu. Ah, Korugu. Alors, Korugu. Ah, ok, je vois. Je vois, je vois. Hop. Hop, non. Voilà. Ouais, je t'ai trouvé. Bon, bah écoutez, je ne sais pas trop où peut être le sanctuaire. Bonjour. Hein? Je crois. Oh, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Sanctuaire de Dakotawa. Je n'ai rien dit. Autant pour moi. Ah, le problème, c'est que maintenant, si je veux me téléporter, faut absolument que je sorte de cette zone. Alors, comment ça va se passer? Ben, j'en sais rien. Circuit électrique. Alors, déjà, le nom. Eh oui, je m'en souviens. Je m'en souviens.
Alors en fait, ce qu'il faut faire là. Prenez ce truc. Faut le laisser alimenter. Hein. Voilà. Attention. Hop là. Hop là, je t'ai vu. Cimetière du cœur de lune. Alors, merde. Oh, bonjour les gardiens. Comment allez-vous? Donc là, il faut que... Il faut que je récupère mon truc là. Alors, pour le moment... Alors c'est bien, moi ça me l'est, hop. Bon, je vais pousser ça sur le côté. Ça m'évite d'avoir à... Il y a un coffre ici. Cœur antique, très bien. Non, je peux pas. Déjà en bas là. Oh, bonjour. Ah. Rubière jantée. Non, j'ai raté. Il reste encore du coffre. Peux-tu te dépêcher, s'il te plaît, petite plateforme? Je te remercie. Donc là, on est de retour, voilà, ici. Je l'aime bien aussi, ce petit sanctuaire, là. Moi, je trouve ça sympa, quand même. D'emmener le... Le truc avec vous. Et donc là, faut le poser ici. Hein. Donc ça, c'est l'a alimenté. Par contre. Voilà. Et donc ça fait venir cette plateforme là. Ok, impec. Donc toi je t'ai vu, elle passe juste en dessous, à ne pas se rater.
Non, 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 non. Alors attends, toi tant que t'es ici, voilà, tu vas retourner là-bas. Mais bon, on va attendre que la plateforme revienne pour aller chercher le coffre. Puis voilà. Ah, elle s'arrête juste devant, quoi. Bouclier du soleil. Oh, ça, c'est pas mal. Il est pas mal, celui-là. En plus, celui-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Alors, on va acheter quoi? Ouais, on va jeter ce double, hein. Du soleil et ok impec, allez viens viens petite plateforme, sois gentille avec tonton Juju. Encore une halte là-bas. Ok, normalement, on a tous les coffres, c'est bien. Super. Ben voilà un pec. Un pec. Ah. Je vais en profiter qu'il y ait de la carte. Pour bouger d'ici, d'accord, tant qu'il n'y a pas de poussière de sable qui vole un peu partout. Enfin, je pense que le fait d'avoir fait le sanctuaire, normalement, je pense que ça a dissipé un peu le sable. Ça s'est calmé. Alors, je sais pas si c'est ça ou si c'est parce qu'à une certaine heure, voilà, il n'y a plus de tempête ou j'en sais rien. Hein. Mais je préfère en profiter et me barrer d'ici. Donc, bah, les amis, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. Et moi, les petits loups, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!